La direction du PPACI a produit un communiqué, ce vendredi 29 avril 2022, pour signaler la diffusion du document administratif du parti sur les réseaux sociaux. Le parti de Laurent Gbagbo est décidément dans des situations malencontreuses. Voici que pour des raisons de fraude, il se voit dans l'obligation de procéder à des nominations à la tête des femmes et de la jeunesse. Et ce, après avoir convoqué une réunion du secrétariat général du parti. Après le report des élections pour la Ligue des femmes et celle de la jeunesse, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, vient de connaître une fois encore une indélicatesse. Dans une communication signée du premier vice-président du Conseil stratégique politique, CSP, Sébastien Danodjedje, le PPACI a signalé la diffusion des statuts et règlements intérieurs du parti. Ce document, à en croire Danodjedje, est un document de travail vu qu'il comporte des annotations. Sinon, pour tout militant désireux d'obtenir ses statuts et règlements intérieurs, il note qu'ils sont disponibles auprès de l'administration dans les locaux du parti. Toutefois, il met en garde tout membre du parti qui diffuserait le document annoté. Il passera en commission disciplinaire. Le communiqué la direction du parti constate que des copies scannées de statuts et règlements intérieurs circulent sur les réseaux sociaux, depuis le jeudi 28 avril 2022. Les statuts et règlements intérieurs du PPACI sont disponibles auprès de l'administration au siège du parti ici à Cocody-Rivière à 3. La direction du parti signale que ces copies, avec des annotations inscrites, ressemblent à un document de travail qui ne devrait pas se retrouver sur la place publique. La direction du parti tient à préciser que tout militant qui se rend coupable de divulgation d'informations ou documents du parti, en dehors des instances et procédures appropriées, sera traduit devant la commission disciplinaire du parti. La direction du parti informe les militantes, militants, sympathisantes et sympathisants que les statuts et règlements intérieurs du PPACI sont disponibles auprès de l'administration au siège du parti ici à Cocody-Rivière à 3. Sébastien Danodjedje, premier vice-président du CSP, président du constitutif du PPACI.